Alors bonjour tout le monde, je suis à Ayr sur l'Adour, la rivière Adour, et la ville s'appelle Ayr, A-I-R-E, tout un nom, très original, il y a des drôles de noms sur le chemin. Et là, je commence cette fois-ci le chemin, je continue en fait le chemin du puits que j'avais arrêté en 2018, que je reprends, non en fait en 2016, pardon. En 2018, j'étais sur le chemin du Nord, que j'ai interrompu, comme vous le savez. Et là, je suis revenu à cause de la fête de Pampolona, la fête de Saint-Firmin, pour éviter que tout soit fermé quand je vais passer. Alors, je passe avant. C'est pour ça que je fais maintenant le chemin du Camino Frances. Et je le commence où j'avais arrêté il y a 4 ans, à Ayr, sur l'Adour. Alors, j'attends que l'auberge ouvre, qui est juste à côté, et je vous montre un petit peu l'architecture. On retrouve beaucoup sur le chemin, c'est des genres d'édifices, c'était des genres de places du marché octogonales. Alors, je vous montre ça. À ce type d'édifice à Ayr sur l'Adour, vous voyez, je sais pas, il y a 8 côtés. Et ça vaut vraiment la peine de voir l'intérieur de cet édifice-là. Alors, on y rentre. C'est vide maintenant, il n'y a plus de marché, mais regardez bien le haut de cet édifice incroyable, tout en bois. C'est vraiment à voir impressionnant. J'ai jamais vu ça, une structure aussi belle, un toit aussi bien construit. Regardez les poutres qui soutiennent ça. Alors, on est en plein cœur de la ville d'Ayr et je vous fais visiter ça. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Alors c'est ça, alors c'est parti pour ce deuxième chemin. Alors j'étais sur le chemin de Arles, j'ai passé le col de son port, j'ai été jusqu'à Pampelune et le chemin du Nord, j'ai interrompu le chemin du Nord. Et là je suis de retour en France où je vais passer jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je vais prendre le chemin du Camino Frances. Je vais franchir les Pyrénées encore une fois en même pas un mois. Alors mais pas à la même place. Alors, c'est tout un défi en perspective. Je n'arrête pas. Le chemin va de l'avant. Et je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine étape. Alors, c'était le bilan de la journée. Je suis à Ayr sur Adour. Merci.